Au départ, l'intention n'était pas de faire un livre, c'était de faire des cas pour l'enseignement de l'entrepreneuriat. Et puis, au travers des premières interviews, on s'est dit, mais c'est juste incroyable. Et donc, que ça méritait, entre guillemets, plus que de simples cas pour l'enseignement. Des choses qui m'ont surpris, je dirais, c'est la dimension de ce qui a été fait. Cette capacité d'avoir pu réaliser quelque chose avec un tel impact, avec des moyens qui étaient nécessairement limités à la base. En quelques jours à peine, il y a un groupe qui se met en place, il y a un groupe qui se met à réfléchir et qui avance et qui agit. Et ça, c'est un des principes clés de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de planifier, c'est d'agir, c'est de passer dans l'action. Donc pour nous, c'était un point de départ qui était clé, qui était critique. Et puis alors après, tout ce réseau qui a réussi à se créer, qui s'est mis autour de ce projet. On a voulu raconter l'histoire, c'est-à-dire faire en sorte que, un peu à l'image d'un historien, avec tous les guillemets que ça mérite, mais donc c'était quoi les faits, les déroulés, les étapes, et chaque étape est commentée avec un regard entrepreneurial. Donc il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'objectif, c'est l'histoire, on l'interprète pas, et puis il y a la partie qui est notre regard entrepreneurial et qui elle est subjective, où on l'interprète avec une lecture issue de notre discipline de l'entrepreneuriat. Et donc ça montre bien ce qu'est ce parcours entrepreneurial qui démarre par une crise. Tout le monde se met en route, il y a cette logique d'action et puis il y a tous ces chapitres qui sont liés d'ailleurs à l'histoire et qui voilà, les plaques 96 puits, la mise en réseau avec tout le tissu wallon qui s'est créé depuis de nombreuses années, qui a rendu cela possible, les entreprises qui rejoignent, ça aussi c'est une caractéristique de l'entrepreneuriat. Donc il y a chaque chapitre finalement est un bon exemple des étapes par lesquelles un entrepreneur passe. Et donc en termes d'apprentissage de l'entrepreneuriat, plutôt que de passer par l'apprentissage par le plan d'affaires, c'est beaucoup plus concret de passer par une histoire concrète, réelle et en plus qui dans ce cas-ci a touché tout le monde.